Long de 80 à 20 km, la concession du tronçon Juman-Laï se concrétise. Après la phase de terrassement depuis quelques semaines, la ville de vit au rythme de la concession des ouvrages d'art dans la voirie urbaine. Avec euh, cette réalisation de cette année, nous avons constaté que s'il plaît à Dieu, les choses vont entrer en ordre donc que ça serait une grande joie pour nous euh, les fils de la Tangela. Nous voulons que cette fois-ci ça ne s'arrête pas. Sur le terrain, nous constatons une main d'œuvre composée majoritairement des jeunes créant ainsi une opportunité d'emploi qui absorbe le chômage des jeunes dans la ville partant, la province de la tondilie Aujourd'hui, si tu avais le chinois et quand même si on te paye 50 000, 60 000 francs par mois, je pense que ça te permettrait de prendre sa famille en charge. Pour le délégué provincial des infrastructures de désenclavement de la tondilie des travaux des voies urbaines avancent à merveille et respectent les normes. Effectivement, ça répond au nord parce que là, nous, on a deux équipes. Il y a une équipe de, top, euh, une équipe de surveillance des travaux, il y a une équipe géotechnique qui s'occupe de la qualité des bétons, il y a une autre équipe aussi pour la surveillance des qualités des matériaux, c'est-à-dire que les, les ferrages. Avec l'état d'avancement de ces travaux, nous osons croire que le délai fixé par l'exécution du bitumage de ce taxe sera respecté pour le bonheur de la population de la Tondjili.